déjà à 4 ans, on se demandait quelle mouche avait encore bien pu te piquer. Et quand tu mettais le feu à la chaire du curé, que tu jetais des grenouilles dans le bénitier, quand tu crachais dans les théières et planquais le dentier de ta grand-mère au frigidaire, tu t'y connaissais pour aller piquer dans le poulailler du voisin. Le jour où tu volais dans la caisse de l'épicier, tu étais sale comme un peigne et mauvais comme la gare. Autant brûler des cierges pour une cause infernale. Plus tard on a voulu savoir pourquoi tomber sur nous ce désespoir. Oh, quelle histoire! Tu faisais pleurer ta mère qui nous disait il finira comme son père. D'en finir, qui pardonne aux femmes de toujours préférer les vandales, ceux qui ne veulent aucun repentir. Certains prétendent encore, tu aurais dû en crever. Tu as laissé tomber la pauvre Lucie qui s'était damnée pour toi. C'était tant pis. Balancé par le vent, tu finiras au bout d'une corde tout droit. Même la justice. Que Dieu sauve les âmes des coupables au massacre. À ceux qui sont pressés d'en finir. See you.